بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم ورحمة وبركاته. أما بعد، bonjour. Nous allons voir à travers certaines paroles du prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui, notre premier bien-aimé parmi les créatures. Voilà qu'est-ce qu'il dit. قال الله تبارك وتعالى. C'est un hadith qu'on s'est dit. Une parole divine de haute qualité. À part le Coran. قال الله تبارك وتعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وأما شتم إياي فقوله اتخذ الله ولدا ولا أنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. سي من رابورتي بار البخاري كل في ديو سوسول كي نوي لو بليزير دو ديو رضي الله عنه. دونك ديو il dit تبارك وتعالى استغفر لي toujours loué il est le suprême كذبني donc Dieu béni et suprême كذبني ابن آدم c'est-à-dire le fils d'Adam il a été ingrat d'une façon extraordinaire vraiment impoli. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Dieu ne dit pas la vérité. كذبني donc il qualifie Dieu de menteur. كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك c'est-à-dire il n'a pas le droit de faire ça. C'est très gravissime. C'est gravissime. كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك c'est-à-dire il n'a aucune preuve par-dessus la politesse, c'est l'absence d'arguments plausibles. Il n'a rien contre Dieu, uniquement parce qu'il est sous le joug de Satan, l'imbécile numéro 1. Il est toujours malin, maudit, ici-bas et dans l'au-delà. Que d'abord il est Adam ou Alam Yakul Laudel. Bon, aucune politesse, aucune rationalité. Donc, cet homme-là, il est vraiment indigne d'être une créature qui a comment dirais-je, une liberté d'opinion. Ce n'est pas une liberté d'opinion, ça. Ce sont des mensonges purs de première catégorie. Voilà, y'a l'oubli là. Quand on a dit de moi, il y a un non, le coup, là, c'est-à-dire Dieu, il dit dans le Coran, قل هات برهانكم إن كنتم صادقين. Si vous avez vraiment quelque chose qui peut être du niveau d'une preuve, faites-le. Avancez vos preuves si vous avez. Il n'a aucune preuve. Lorsque quelqu'un dit de Dieu à propos de Dieu, ça c'est vraiment c'est de la pure ignorance. ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك. C'est-à-dire, il a qualifié Dieu, il a disqualifié Dieu, et il a été insolent. Bon, chacun m'a dit qu'il n'a pas le droit de le faire aussi. Enfin, quant à ses propos pour qualifier Dieu de menteur, c'est-à-dire, ce qu'il va dire, c'est archi faux, mais c'est à refuser. C'est-à-dire les patrons et les menteurs ils disent et Dieu, s'il y a un Dieu, il n'a pas la force, il n'a pas la volonté, il n'a pas les qualités requises pour que je sois ressuscité. Et Dieu, il insiste sur une vérité vraiment de première. De haut niveau, voyez ça, c'est-à-dire la première création, c'est-à-dire elle n'est pas plus facile pour Dieu par rapport à la deuxième création, c'est-à-dire le fait de ressusciter les morts, donner de la vie à des poussières, à des eaux bien vraiment
معناته. واما جاتو اياد سادير دي دو موا دي فريمون دي باليوان دي مونسونج il me traite d'une façon très basse. Wa ma chatmu hier fa qawlu ittakhadha Allah walada, c'est le fait de dire que Dieu a un fils. Comme les juifs, ils disent que Uzair est le fils de Dieu. Alors que Uzair, on l'a vu à plusieurs reprises, c'est un être humain, ni plus ni moins, qui a une histoire bien particulière. Lorsqu'il est passé par un village désertique, en ruine, il a vu la carcasse osseuse, le squelette d'un animal, par exemple un cheval ou un lion ou une hyène. Il a dit, est-ce que Dieu peut donner vie à ce qui est vraiment inanimé, à ce qui est vraiment effrité? Et Dieu il a voulu lui démontrer que c'est ce qu'il vient de dire, n'a pas le droit de le faire. Et là, il lui a, donné l'ordre pour qu'il meure, qu'il décède. Et puis il lui a donné vie après son temps. Lorsqu'il est ressuscité, il n'a pas su que la vérité de la chose. Il a dit, lorsque Dieu lui a adressé la parole, comment tu as... combien de temps tu as passé dans cet état-là, il a dit un jour, une partie d'un jour. Alors que ça fait 100 ans qu'il est parmi les morts. Et Dieu lui a donné plusieurs preuves que vraiment il est ressuscité et son âme, il est mort, il est en détritus. Et son alimentation, elle n'a rien eu de changé. C'est-à-dire, il n'y a ni pourriture, ni disparition. À ce moment-là, il a su que Dieu lui a répondu comme il le faut. Et il est retourné chez son village, à son village, et les gens, la troisième génération par exemple, ils ont eu, son histoire, ils ont su qu'il a disparu il y a 100 ans. Et lorsqu'il est revenu sur son âme, par exemple, ils ont compris d'une façon erronée. Ils ont dit que c'est un fils de Dieu. Or, c'est pas vrai. C'est une deuxième vie, ni plus ni moins. Il n'a aucune relation, cet événement-là n'a aucune relation avec la filiation. À propos de relié à Dieu. Donc, wa amma chatmu iyaya baqulu ittakhadha Allah waladan, nous savons bien ce que ça veut dire la Trinité, que c'est catastrophique, et ça escalpe les esprits, et ça fait pourrir l'âme, et ça fait des troubles psychiques, comportementaux, affectifs, et tout ça. Donc, il dit, et ça c'est en rapport avec tout un chapitre qui s'appelle le chapitre Tawhid, c'est-à-dire La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, c'est-à-dire Dieu dit, s'adresse à notre prophète Muhammad, que la paix de Dieu soit sur lui, il dit que Dieu est unique. Kul wallahu ahad, Allah samad, c'est-à-dire il est unique, samad, c'est-à-dire toutes les créatures ont besoin de son aide, de sa volonté, de sa bénédiction, etc. De sa protection. Wa ana al-ahadu samad, lam alad,